Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? Ouais, bien sûr. Ouais? J'assure grave en plongée, tu vois. Mais je te préviens, je suis dur. Pas de traitement de faveur. Faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Cool. C'est super, merci. Bah de rien. T'es mon frère. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément plein aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hé! Hey, au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. T'es sûr que t'es prêt? Réfléchis bien. Pense à tout ce que ça implique. Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hé, hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? Ouais, trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Ouais, sûr. Hey, c'était une blague. C'est tout le temps ensemble. Eh ben, je crois qu'on va s'éclater. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Hé, hey, tu vas devenir un homme, grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Je vous inviterai bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, c'est ça de dit, je suis partant. Oh!
sais ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on ne trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette trame. En général, c'est une plaque. Oh putain, j'hallucine. Mate-moi ça. Alex, viens voir. Je crois qu'on a trouvé un truc. Je fais confiance à Brad. S'il quitte les pavés là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi ? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Eh, on dit rien et c'est bon. On fait rien de mal. Bon, je crois qu'on ferait mieux d'écouter notre merveilleuse, magnifique, sublime et magnifique capitaine. Si elle dit qu'on doit faire ça, Conrad, alors... Conrad, s'il te plaît, je t'ai pas amené ici pour que tu dragues. Quoi? Non, c'est pas... Tout ce que je dis, c'est qu'elle a raison, mais pas parce qu'elle est belle. Enfin, j'avoue, elle est belle. Mais c'est rien qu'une coïncidence. C'est elle, la capitaine. Eh, on a payé pour plonger. Et pas qu'un peu. Alors on y va. Comme vous voudrez. Mais si ça se passe mal... Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Eh, Julia. Mm-hmm. Salut. Salut, chérie. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord. Mais... la provoque pas. À plus.
Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Waouh. C'est quoi ça? On dirait bien que c'est un faux. Comment tu te sens? Oh, j'aurais jamais dû boire cette bière. Relax, bras de fer. Si tu nous cherches, tu nous trouveras sur le pont. Ouais, je remonte dès que... J'arrête de dégobiller. Waouh, l'expression de papy. Salut, placard. Qu'est-ce que tu caches ? Fascinant. C'est quoi ce truc? Bon choix. Bien joué, Alex. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Hey, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Les gars, les bouteilles n'attendent plus que vous. Que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Oh, capitaine, mon capitaine. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Toi, au moins, tu m'as montré un peu de respect. Même si t'es bien le seul du groupe. Ah ouais. Désolé pour ça. Ma sœur peut se montrer parfois... extrême. On peut dire ça, ouais. Il y a des lois ici, et aussi des coutumes. Vous devez les respecter. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? Les épaves, c'est ma passion. Je suis hyper calé sur le sujet. Ah ouais? Alors pourquoi tu veux pas suivre les règles quand tu trouves une épave? Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. T'as rien à dire? Mais quel miracle! Tu sais quoi? Très bien. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous m'écouterez pas. Mais si vous prenez un truc dans cette épave, vous ferez de nous tous des criminels. Salut. Hey, Alex! Viens m'aider! Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Hé, tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant.
Merci pour ton aide. Oh, hé, au fait. Quoi, sérieux, tu pourrais faire moins de bruit? J'ai failli oublier l'essentiel. Quand je regardais les images de la caméra, j'ai vu un gros trou dans la queue. Et bingo! C'est par là qu'il faut entrer. Oh, beau boulot. Merci, Conrad. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Alors, tout roule? Alors, ils vont plonger ou quoi? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. La journée va être longue. Ok, ah, les gars. Tu t'en es déjà servi? Sur un requin? Et non. N'oubliez pas les règles, surtout. Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. Dommage que Fliss soit si coincée. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme si vous pouvez inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. La tourelle, on peut entrer par là. Dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire. Oh, bon sang, Alex, on a réussi! T'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise! Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti! Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux, en fait. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde, ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage.
peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Duke à Alex. Duke à Julia. Bon sang! Tiens quelque chose. Duke à Alex. Duke à Julia. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Duke à Alex. Que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Doucement, ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Il tient quelque chose. C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord. Je... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu gigotes? Je sais pas, je... Je voulais qu'on parle d'un truc, toi et moi, mais...
c'est pas le bon moment. À quoi tu penses, chérie ? À rien. C'est rien, ça... Ça m'a perturbé qu'on soit passé à deux doigts d'une mort horrible et pathétique. C'est pas grave. Remontons à la surface. Hé, hey, sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien. Ouais, mais tu me fais flipper quand même. C'est... Non, oublie. J'aurais dû fermer ma gueule. Allez, faut vraiment qu'on remonte à la surface. Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. Eh, hey, d'où est-ce qu'il sort ce bateau ? Eh, hey, attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow ! Merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite ! Hé ! Hey, on doit décompresser ! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture ! Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go ! Eh, on pourrait savoir ce qui se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein ? Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci. Avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Malheureusement, on l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé. Hein? Quoi ? Le dévidoir, justement. Oh, merde. Et donc ? Ben, pour commencer, il n'y a plus de cockpit. Vous vous êtes surpassé à ce que je vois. Allez, re tout le monde, on se retrouve pour le briefing de l'épisode 2. Je suis accompagné d'Alfouille, comment vas-tu Alfouille ? Bah ça va très bien, je suis encore un petit peu sous le choc, mais ça va. Un petit peu sous le choc, ouais. Alors je rappelle qu'on a fait l'épisode 2 et 3 à la suite. Malheureusement, t'as rencontré apparemment un sacré problème sur l'épisode 2. Ouais, le on va essayer... problème de son, ouais, effectivement. Voilà, on va essayer, je sais même pas comment on va essayer, mais on va essayer de choper ta voix, peut-être que quelque chose l'a capté, un signal, une radio, on sait pas. On verra, peut-être quelqu'un, va venir et faire ma voix, quoi. Voilà, si c'est pas le cas, bon bah vous aurez un gameplay pour cet épisode 2, on en est vraiment désolé, mais au moins, vous allez savoir ce qui s'est passé sous le bateau. À savoir une chose, mon cher Alfouille, c'est qu'entre l'épisode 2 et 3, toi et moi, on n'a pas parlé. C'est ça. Je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé sur le bateau. Et tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé en dessous. On s'est juste dit, il s'est passé des trucs incroyables, mais on a réenchaîné directement sur l'épisode d'après, quoi. Voilà, donc je ne saurais qu'en faisant les rendus. Néanmoins, bon, c'est dommage, apparemment, tu as eu des réactions assez épiques, mais on n'a pas pu capter ta voix. Mais l'épisode 3, par contre, c'est plutôt bien déroulé. Et donc, l'épisode 2, est-ce que t'as bien kiffé en vrai ? Alors, tout ce que je peux dire sur l'épisode 2, c'est sans que spoil. Ça se passe dans l'eau. Voilà, et moi, en vrai, j'ai la phobie des profondeurs. Donc, je peux vous dire que cet épisode, j'ai serré les fesses. Je vous le dis. Voilà. Ok. Et après, moi, de mon côté, bon, bah voilà, j'étais au-dessus de l'eau. Donc, Alfouille, t'iras voir l'épisode 2 une fois en ligne si tu veux savoir ce qui s'est passé là-dessus. Et quoi qu'il arrive, cet épisode 2 était plutôt cool parce que tout le long de l'épisode, on était quasi séparés. Et ça fait plaisir. Et t'as eu beaucoup de choix. J'ai eu beaucoup de choix. T'as commencé à changer.
le chemin, l'arbre, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. T'as commencé l'effet papillon, et après, moi, j'ai aussi modifié un petit peu, j'ai modifié aussi un chemin. On verra ce que ça va donner par la suite. Je pense quand même qu'on s'en est bien sorti dans cet épisode 2, pardon. En tout cas, on espère que cet épisode 2 vous a plu. Est-ce que t'as un dernier truc à dire au sujet de l'épisode 2? Non, je suis un petit peu déçu, hein. Je suis encore désolé du bug d'Audacity là, mais... Ouais, c'est dommage, surtout si t'as eu des bons trucs et tout, pour t'entendre sursauter, mais bon. J'ai crié comme une petite flippette, mais bon. Ça arrive, après, ça arrive. Voilà, normalement, ça arrive. Les prochaines fois, ça se produira plus. Puis, il faut savoir aussi que toi, en termes de record de console, c'est tout nouveau pour toi. Donc, je t'ai expliqué un petit peu. Ouais. Donc, à l'avenir, ça se passera, je pense, bien mieux. Eh ben, merci Alfouille, je te dis à très vite pour l'épisode 3, tout j'ai simplement. Hâte. J'ai hâte.